Mais on est là pour apprendre. Donc, let's go. Et là, ouais, non, bon. Bon. C'est pas. Alors. Ligne jaune. Panneau jaune. Roule à droite. Là, il y avait un truc écrit. Bip 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 bip. Moi, je tenterais un truc genre. Ça me fait penser un peu à l'Uruguay. Si c'est la Colombie, je pense que c'est la Colombie vu la distance que les autres me mettent. Bravo! Regarde derrière panneau. Ah merde! J'ai loupé. Mais bravo, c'était la Colombie, effectivement. Hop. Alors. Où est-ce qu'on va? Alors là, c'est pareil, ça. Panneau blanc-rouge, là. Ça, c'est une méta, ça. C'est une méta, ça. Ça, forcément. Panneau colombien, à l'arrière il y a une barre perpendiculaire. Waouh. Tac. Là c'est pareil, on doit être en Europe quelque part. Ça me fait penser un peu à la fin. Putain. À la Finlande vite fait. J'ai pas le temps de réfléchir. Pas le temps de réfléchir. Pologne ou Pays Baltes? Ah ouais, bravo, c'était Lituanie. C'est encore vivant, mais tu vois, ça tient à un fil. Hein. Ça tient à un fil. Hein. Je suis encore vivant, mais. Je suis trop dans l'à peu près. Je suis trop dans l'à peu près. Cognard, Card Dessler. Patates à Lime. Ils font des patates ici. Je sais pas. Ou ils font des alimentations pour ordinateur. Petite patate. Ah, là, il y a une extension. Point quoi? Putain de merde. Point TR. TR, c'est la Turquie. TR, c'est la Turquie. C'est la Turquie. Let's go. Oh, putain, je me suis mis. Waouh. Ah, je me suis mis à côté. Je me suis mis à côté là. Auto, repuestos, y servicio, centro, la marca. Oh, c'est de l'espagnol, ça. Ça, c'est de l'espagnol, ça. Ça pourrait être... ça pourrait être... La Colombie. Ça pourrait être le Mexique aussi. Je vais tenter la Colombie. Et après, je vais tenter le Guatemala. Si je survis pas, je tente le Guatemala.
C'est le Guatemala, bravo. Bravo. L'idée, c'est que du coup, tu vois, là, sans ton aide, j'aurais quand même réussi à survivre. Mais du coup, effectivement, c'est le Guatemala. J'aurais guess le Guatemala si j'avais été mort, et du coup, j'aurais réussi grâce à toi. Bref. Ah, ça, c'est le... Attends. C'est pas genre le... Il n'y a pas les culs. Il n'y a pas les culs, c'est pas le Sri Lanka, ça. C'est pas le Sri Lanka, ça. C'est pas le Sri Lanka. Dans ce coin-là, en tout cas. C'est pas le Sri Lanka. Je crois pas. Ça, ça va être... Ça va être Laos, Cambodge. Cambodge, en vrai, ça me parle bien. Cambodge, Thaïlande. C'était Thaïlande. La méta-voiture. Il y avait une méta-voiture, j'ai pas vu. Thaïlande. Dans Thaïlande. Une voiture prise. On est dans l'hémisphère nord, très clairement. Il fait chaud. Sightseeing. Okay. Putain, on est plus que 4. Et c'est la dèche. Et c'est la dèche. On voit des massifs rocheux au loin. J'ai dit qu'on était dans l'hémisphère nord. Hein. C'est ça que j'ai dit. Ouais, on est dans l'hémisphère nord. Oh putain. Merde. Mexique. Oh. On était à Curaçao, Aruba. Curaçao, ok, je connais pas du tout le coin là, let's go. Deportivo Cali del Sol. Cali. Ça je pense quelqu'un qui a la ref, il l'a. Instant. Franchement, j'ai envie de tenter Mexico, mais Colombie. Hop. Colombie. Cali. Cali. Bravo. Bravo. Je ne sais pas si j'aurais eu ce point-là sans l'indication. En tout cas, je me serais planté sur Mexique. Bah, j'aurais quand même eu bon. J'aurais été plus proche que l'autre. De toute façon. Là, c'est la finale. Je ne regarde pas le chat. Pour la finale. Voilà. J'aurais quand même été plus proche que l'autre en mettant en Mexique. Donc ça va. Pour moi, on est en Finlande. Genre ici. Putain, il est 5,3 km plus que moi. Ah. Merde. J'ai plus que un guess. J'ai tenté la Finlande du Nord, on va tenter... Oh ! Oh ! Attends, alors peut-être. Let's go ! La magie !
Oh putain, let's go. Waouh, ça réveille, ça réveille. Donc Silver Division, voilà, let's go. Oh putain, une victoire. Ça fait longtemps. Hein. Hop là. Bah nickel, hein. Nickel. C'est stressant, hein. C'est stressant tout ça. J'ai encore soif. Pardon. Bon, et sinon, vous, ça va bien? Ça va bien? On reste un petit peu sur cet écran de victoire. Un petit peu, hein. Parce que ça arrive pas tous les jours. Ça arrive pas tous les jours. Ouh. Franchement. Ça fait plaisir. Je possède des points. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Mes affaires marchent en ce moment. Ouais. C'est parti. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Est-ce qu'on se refait un battle royale? Ou est-ce qu'on se fait une map particulière? Ou je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est souvent compliqué de choisir. Est-ce que sur Excuse, il y a des gens? Pas trop. Pas beaucoup de gens sur Excuse. Hein. Pam pam. Param pam, param pam. Voilà. Qu'est-ce que... Ah, j'ai cassé OBS. Attendez. J'arrive. Je ne vois plus le chat. Je ne vois plus le chat. Let's go. Super. Si je le vois sur mon retour. Attendez. Qu'est-ce qu'il dit? Après, tu peux donner le code pour que l'on joue avec toi sur Squeeze. Oui, c'est ça. Sur Squeeze, vous pouvez participer. Mais attendez. Quoi? Pourquoi? Mon chat est cassé. C'est bon. C'est réparé. Bon, on peut effectivement partir sur un peu de Squeeze hein, si vous voulez jouer. Hop là. Partir sur un peu de Squeeze. Il y a quand même un peu de gens, donc ça se tente. Hein. En initié, c'est parti. Hop. Oh, en plus, la game va commencer. C'est parti. On part sur du Squeeze, c'est parti, improvisation. Hop là. Je décide au dernier moment de changer de jeu. C'est parti. Hop là, j'ai eu aucune bonne réponse. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Classement. Classement, il y a... Bravo. Oh. Un sub chez Étoile. Un The Event 2022, c'est parti. Il y a Loan qui nous a rejoint. Let's go. C'est parti. Et les Axe aussi. Bravo. C'est parti. Bon courage. À toutes et à tous. Quelle est la profession de Christian Chesneau et Georges Malbruno, retenus 4 mois en otage en 2004? Tatam. Ils étaient journalistes. Souvent, hein, les prises d'otages. Quel nom de serpent désigne également le mouvement artistique créé en 48?
auquel appartenait le peintre Aleshinsky. J'aimerais bien pouvoir quand même vous afficher les des images. Quel est le mois de l'année le plus chaud au pôle Nord? Ah, j'allais mettre juillet, j'allais le mettre. Ah! Selon l'expression, quand on a autre chose à faire, on dit qu'on a d'autres chats à... C'est pas très gentil, mais à fouetter, tout à fait. Nous avons d'autres chats à fouetter. Que combat Buffy dans la célèbre série. Dans la célèbre série télévisée. Oula, il y a 54, 56, 78. 88, 76, 66 qui nous a rejoint. Et bienvenue sur les Squeez. Quel nom de gâteau a été donné en hommage à Bria Savara? Je sais pas, le Bria. Non, je sais pas. Gâteau Bria Savarin. Savarin, tout simplement. J'ai essayé Bria, j'ai pas essayé Savarin. Bon. Par opposition à l'inflation. Comment appelle-t-on la baisse générale et sur le long terme des prix en économie? La déflation. Ah ouais, ça se dit la déflation. Je savais pas. Je connais pas le terme. Dans la Bible, comment se prénomme l'homme qui mangea la pomme avec Ève? Enfin, le fruit défendu. Le fruit défendu. Il s'appelle Adam, c'est Adam et Ève, voilà. Et 55, 54, 56, 78, 88, 76, 66, ça répond juste en premier. Comment appelle-t-on une femme suisse? Une Suissesse? Une Suissesse. Dans Hunger Games, qui s'imagine avoir tiré sur quelqu'un en chassant le dindon? Je n'ai pas la référence, hélas. J'en ai vu des Hunger Games, mais alors... Katniss. Ah bah, Katniss aurait pu se tenter en mode random, en vrai. De quelle couleur est le bandeau de Donatello? Eh ben, let's go. Je pensais avoir fait toutes les couleurs, mais... C'était violet. Ah oh, bah, mais le violet, je le vois bleu, alors... Franchement, c'est... quel animal est Ramina Grobi dans les fables de Jean de la Fontaine? Bon, ça c'est là. Non? C'est un chat. Top. Et ben, en initié pour la room est peut-être un peu doux. J'ai glissé, chef, j'ai appuyé sur des touches à côté. C'est vrai que j'ai... Attendez. Je peux faire ça. Et le rappeur américain glissé, également chef. Connu sous le pseudonyme de Slim Shady a sorti l'album Recovery. C'était Eminem. Éminemment Eminem. Bravo. Quel pays a organisé la Coupe du Monde de football en 90? Je sais pas. Au pif. Au hasard. L'Italie. Voilà. Au hasard. Bravo. Et bravo Shinox. Bravo Nate Pag. Bravo Greff. Bravo Tin. Bravo moi. Bravo Léax. Bravo 54, 56, 78, 88, 76, 66. Bravo Loan. Bravo. Mais l'important, c'est de s'amuser et d'apprendre des trucs. Si t'as réussi à retenir un truc, c'est bien. Genre la déflation. Vous connaissez pas la déflation avant. Maintenant, on connaît la déflation. Savarin. On a des chats à fouetter. D'autres chats à fouetter. Zia, là, 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 là. C'est parti. Que signifie sonne en allemand? Fils. Comme en anglais sans le H.
La peau de quel animal hop. L'ours. Putain, tout le monde est trop rapide. Tout le monde est trop rapide. La peau de quel animal ne faut-il pas vendre avant de l'avoir tué? C'est l'ours. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, tout simplement. De 2003 à 2008, qui présentait et animait l'émission La Méthode Koé. Évidemment, le présentateur éponyme. Enfin, l'émission éponyme. Bref. Sébastien Koé. En quelle année a eu lieu la révolution russe d'octobre? Alors 54, 56, 78, 88, 76, 66 l'a eu. 1917. Ah, vous l'aviez. Bravo. Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau de l'Union Européenne? Je sais pas. 12. Je crois que c'est 12. Oui, c'est 12. Oui, c'est 12. Quelle crème accompagne traditionnellement une île flottante? Putain, je sais pas taper. La crème anglaise. Oula, je descends dans les scores. Je descends dans les scores. Qui représentait le Parti Socialiste aux élections présidentielles de... Ségolène Royal. Oh putain, j'ai plus ça, je sais pas. J'étais petit encore. Quel gorille costaud fut un des premiers personnages de Mario? De la marque Nintendo, pardon. Putain, je suis avant-dernier. Incroyable. Mais ça, c'est parce que je suis nul. De quelle marionnette d'origine lyonnaise Gnafron est-il le compère? Bravo Léax qui l'a. Bravo Léax qui a la réponse. Les guignols. Bravo. De quelle catégorie de véhicule le permira de... Ah. Le permis A, mais oui, le permis A, pas le permis B. J'ai bugué. J'ai confondu le permis A, le permis B. Bravo Léax. Plus rapide que moi. Merde. Société à responsabilité. Non, je suis limitée. Un truc comme ça. Au Portugal, quelle couleur sont les véhicules de la poste? Bah, visiblement, ils sont rouges. Les véhicules de la poste au Portugal. Je ne savais pas. Dans quelle saga peut-on entendre la citation « Mon petit » ? Mon enfant ! Je sais pas trop le faire, on va pas se mentir. Qui est la mère de Césarion, fils présumé de Jules César ? Bah, je sais plus, hein. Julie ? Cléopâtre. Oui, bah oui, Cléopâtre, tout à fait. Je suis un abruti. Quel nom dérivé du mot nerf désigne les lignes saillantes d'une feuille d'arbre. D'une feuille d'arbre. J'ai pas fini la question. J'ai pas fini de lire la question. La nervure. Et bravo, Shinox, Nate, Léax, qui nous fait une belle troisième position. Bravo à toutes et à tous, bravo. Bravo. Félicitations pour ce magnifique podium. Troisième position. Trop fort. Mais c'est vrai que t'étais super bien parti, Loan. C'est vrai que t'étais super bien parti. Bon, bah, ça arrive. Hein. Ça arrive. Hélas. C'est le risque du métier. Hein. C'est parti.
à vos claviers. Quel animal Ivan Pavlov a fait-il fait saliver pour démontrer cette théorie du réflexe? Ok, quel animal Ivan Pavlov a-t-il fait saliver pour démontrer cette théorie du réflexe conditionné? C'était un chien. Voilà, bave chien. Qui joue le rôle de Tyler Durden dans Fight Club? Je sais plus. Je sais pas, j'ai jamais vu Fight Club. Voilà, Brad Pitt. Let's go. J'avais oublié qui jouait là-dedans. Quel acrobate tire son nom du latin funis qui signifie corde? Le funambule. Mais oui, le funambule. Quel abruti. Selon l'expression, quel mot dit-on après un bon entendeur? Selon... lorsqu'on formule un avertissement. Salut. Quoi? Quoi? Quel animal est représenté par la célèbre statue Bartholdi à Belfort? Je sais pas, un lion. D'accord. Tant t'es chien, vache, chat. Quel animal est Bob, meilleur ami? De Patrick Étoile de Mer. Attends. Ouah, j'ai bugué. J'ai pas mis Bob l'éponge, quoi. Quel mot rimant avec sagouin désigne un museau de porc? J'ai bugué sur Bob l'éponge. J'ai pas eu le temps d'écrire, gros. Let's go. Oh, franchement, là, je m'effondre. J'appelle... de quoi Mac est-il le diminutif? Macintosh. Je savais pas. C'est la descente aux enfers, mesdames et messieurs, c'est la descente aux enfers là. Aïe aïe aïe. T'sais, j'ai tellement de mauvaises réponses d'affilée là. Nickel. Depuis 61, quelle marque propose de collectionner des images autocollantes dans des albums? Des images autocollantes dans des albums, quelle marque propose? C'est Panini qui fait ça? Lorsqu'il s'agit d'une personne qui s'occupe d'enfants dans une colonie de vacances, quel mot? Désigne mono. Enfin, mono est l'abréviation de quel mot? Enfin, c'est le moniteur de colonie. C'est nous les monos du ski. Faisant référence aux munitions des chasseurs, quel est le métal? Quel métal a-t-on dans l'aile quand on est mal en point? Voilà, c'est le plomb. Quelle est la racine carrée de 0? C'est 0. Racine carrée de 0, c'est 0. Qu'est-ce qu'un boulot? C'est un travail, bien sûr. C'est un travail. Non, c'est un boulot est un arbre à l'écorce blanche et extrêmement inflammable. De quel pays était originaire l'historien Hérodote? Pour avoir joué à Assassin's Creed Odyssey. Et bravo Nate, et bravo Tatouf, et bravo Léax. Bravo Léax pour ce deuxième top 3, ce deuxième podium. GG. Moi, ça a été catastrophique. Le boulot était un arbre. Le boulot, c'est un arbre. Pas boulot. J'ai mis
un poisson pour le boulot. Ah bah non, non, c'était effectivement... T'as mis aussi que Bob était une étoile de mer. Voilà, et t'as vu, ça a fait bugger. On n'a pas l'habitude de parler, enfin... Enfin, c'était la question de quelle couleur est le cheval blanc d'Henri IV, quoi. On s'est fait avoir. Quel département de Basse-Normandie porte le même nom qu'une partie de vêtements qui entoure un bras? La Manche. Oh putain. Oh, c'est déjà perdu. Oh, c'est déjà perdu. Avant le passage à l'euro, quelle était la monnaie du Luxembourg? Non, je sais pas. Le franc luxembourgeois. Le franc, tout simplement. Allez, super. Combien d'épisodes comporte la saga cinématographique? Allez, au pif 9. C'est déjà perdu. Déjà perdu. Combien d'années séparent chaque édition moderne des JO d'été? 4 ans. Faut que je dise dans ma tête, je réponds et ensuite je lis la question à voix haute. Je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Je sais pas. Hamilton, putain, je l'oublie à chaque fois, Hamilton. Oh. Oh, à quel domaine scientifique associe-t-on la médaille Fields? Oh, c'était les maths. Waouh. Sur le gong, hein. Sur le gong. Quel président français est-ce qui a eu la première cohabitation gauche-droite? C'est sous Mitterrand. Sachez-le. C'est sous Mitterrand. Putain, là, Léax, moi-même et Eloane, on est pas bon. Quelle unité est généralement utilisée pour exprimer la masse d'un diamant? Le carat signifie la réponse en anglais. Bah. The answer. Oh putain, vas-y. La réponse. La réponse. Comment qualifie-t-on les signaux se répétant indéfiniment à intervalles réguliers, souvent issus de signaux sinusoïdaux? Signal périodique, oui. Le temps que je trouve le mot, la question était passée. Effectivement, c'était périodique. Quelle marque de biscuit est aussi connue sous le nom de Lefèvre Utile? Eh ben, c'est les biscuits de Lu. C'est Lulu. Dans le cul Lulu. Super. C'est vraiment là, la game. Comment s'appelle l'ours? Mais comment ça s'écrit? Je sais pas l'écrire. Balou comme ça, Balou avec de haut. Super. De quel dessin animé de Disney en 94 peut-on entendre la chanson? Roi Lion. Hein, parce que mon doigt a glissé, mais Roi Lion. Oh là là. C'est la descente aux enfers. C'est... Kuna Matata. Quelle plateforme était initialement Netflix. Ok. J'aurais dû essayer ça en premier. En quelle année a été élu le président américain Barack Obama pour son premier mandat? C'était en 2008. Mesdames et messieurs, c'est perdu. Voilà, super. Voilà. Bon, quoi dire de plus? Bah, bravo, Shinox. Et Clemenson. Bravo, Léax, pour une sixième place bien méritée.
Ouais. Bravo Loan. Bravo Loan également. Bravo à toutes et à tous. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Le fameux Deutschmark luxembourgeois, bravo. Tout à fait. C'est comme Bob l'étoile de mer. C'est du même acabit. C'est Bob l'étoile de mer, le fameux Deutschmark luxembourgeois, tout à fait. J'ai bugué. J'ai bugué. Aïe. Quelle chanteuse a été première gagnante de la Star Academy? Comment vous l'avez tous? C'est Jennifer. C'est déjà perdu à la première question. Au Scrabble, le joueur démarre une la partie en plaçant un mot sur une... Double. Je ne savais même pas. Si vous êtes né le 27 août, de quel signe astrologique êtes-vous? Vierge. Oh, mais c'est déjà perdu. Je vais jouer toute la... De quel pays d'Europe le Kenya est-il une ancienne colonie? L'Angleterre. J'ai dit la réponse à voix haute. Mais bref. Oh là là. C'est perdu. Quel jour correspond à l'avant-veille du lendemain de mardi? L'avant-veille du lendemain de mardi. C'est lundi. De quelle nationalité Ouais, non, mais il est allemand, je pensais qu'il était français. Aïe, aïe, aïe. Coup dur. Tac, tac, tac. Quel aéroport francilien est situé à 10 km au sud de Paris? C'est Orly. J'ai mis au pif, hein. Enfin, au pif. Pas si au pif que ça, finalement, mais... Louis de Funès était tout simplement acteur, hein. Il n'y a pas à prendre quatre chemins différents. Voilà. Cinéma, quel métier? Acteur, comédien, comique. Dans la Bible, qui est le frère aimé d'Abel? Paul? Pierre? Caïn? Cocaïne? Fait. Je pense que c'est une blague qui n'a jamais été faite. Dans le mot cumulard, quel est le suffixe? J'ai mis d'abord le préfixe. Allez, cumula, cumul, ar. Let's go. Qu'est-ce qui peut être vivace, carnivore? C'est bien sûr, grâce des pieds. Je suis très grasse des pieds aujourd'hui, je vous le dis. C'est une plante. Une plante grasse, une plante vivace, une plante carnivore. De quelle série télévisée d'animation française produite par Ankama, le héros s'appelle Hugo. Quoi? Oh là là. Ça date, hein. Quel groupe de musique français s'est fait connaître avec le morceau, Daft Punk? Évidemment, vous me répondez les Daft Punk. Ça a le prix de Danette ou Free. Alors, l'état sauvage sur quel continent vit l'espèce d'éléphant aux plus petites oreilles? C'est l'éléphant d'Asie. Éléphant d'Asie. Poupam pap, poupam pap. Quelle était la nationalité de Galilée?
Il était italien. Et italien, Galilée. Ouais, j'ai mis deux autres. Et bravo Shinox et bravo 54, 56, 78, 88, 76, 66. Et bravo Dave Box pour ce podium. Et bravo à tous les gens qui ont joué. Notamment Dilara. Et oui, effectivement, Loan, tu t'améliores petit à petit. Ça progresse. Hein. Ça progresse. De toute façon, c'est en faisant, refaisant, refaisant, refaisant que tu retiens des trucs. Tu peux progresser tranquillement. Mais là, je trouve que les questions en initiales, elles ont un peu... Bah, faut quand même réfléchir, quoi. Parce qu'avant, initié, c'était vraiment que de la rapidité. Là, c'est un petit peu... Voilà. Eh ben, putain. Rio de Janeiro, mais vas-y, mais quel sigle qui signifie liquide. Je me suis fait déjà avoir sur Rio de Janeiro, quoi. J'ai envie de me faire. Oui, c'est vrai que par contre les fautes d'orthographe, ils sont pas très gentils pour les fautes d'orthographe. J'avoue que voilà, mais bon. Quelle équipe a perdu en finale de Coupe du Monde? Pardon, je baille encore une fois. Excusez-moi. Au pif. Voilà. C'est l'Italie. Ah, au pif. Quelle est la couleur désigne la partie de l'œuf de la poule? Eh ben, c'est le blanc. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. C'est le blanc. L'albumène. Quelle couleur peut-on être, roi ou russe? C'est le bleu roi, le bleu prusse. Combien de lettres l'alphabet espagnol comporte-t-il? Oh merde, je suis trompé. Je voulais mettre 28 et j'ai mis 18. C'était 27. Toujours dans la course. Quel tueur en série a connu un succès énorme? Sur la plateforme Netflix. Ryan Murphy. Dahmer. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette série-là qui existe. Au cœur de quelle série? De quelle mer se situe la République de Malte? Faut l'écrire, hein, faut l'écrire correctement. La mer Méditerranée. De R, de N. Dans quelle série pouvait-on entendre chaque épisode de votre mission si vous l'acceptez? Putain, c'est quoi ça? Mission impossible, bah oui. Ouais, mission impossible. En quelle année est sorti l'épisode? De la République, j'aime bien l'argent, j'aime bien le fric, et les manifestants, je leur envoie les briques. Et bonsoir, d'être le président. Et bonsoir, Lored. Allez, tout le monde. La 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 la. Bonsoir Lored, bonsoir Christopher, comment ça a été le stream? Oh là là, merci beaucoup. Ça c'est Los Angeles. Je sais. Ah, c'est perdu. Et bonsoir, bienvenue. LA. Oh, bravo. Il y a l'emote. Bonsoir, bienvenue. Comment ça a été le stream, cher Christopher? Il a été gentil. La 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 la. Surtout qu'il y avait LA, j'ai d'afficher, c'est nickel. Vous mettez l'ambiance comme il faut. Vous mettez l'ambiance comme il faut. Bonsoir.
Bonsoir Zander Junkers, je sais pas comment se prononce son pseudo, désolé si je le prononce mal à chaque fois. Bonsoir Christopher, bonsoir Nita, et merci. C'est rapport à la chanson du Maître des Fleurs. Ah oui, putain, je l'ai plus en tête. Bon, pourquoi vous avez fait Yuki écraser? Attends, j'ai plus en tête la musique, comment elle fait? Une étoile de plus sur le maillot. Ah, je sais même plus comment elle fait. Merde, j'ai quitté Squeeze. Le boulet. Une étoile de plus sur le maillot. C'est ça? La 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 la. Ouais, c'est ça. La 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 la. Vous l'avez pas là. Vous l'avez pas, vous êtes deg. Hein. Attendez. C'est parti. Bravo. Et coucou l'oracle. Bonsoir, bienvenue. Comment ça va? Oh là là, et tellement de... Mais en fait, avec les la-la-la, le truc, c'est qu'avec les la-la-la, les la-la-la, il y en a dans toutes les chansons du monde. Donc un la-la-la écrit, ça... Voilà. La-la-la-la-la, en tout cas, j'espère que votre stream chez Christopher s'est bien passé, et que vous avez passé une bonne soirée. Que ça s'est bien passé, qu'il vous a traité correctement, que vous avez bien gagné l'arène des champions. Une soirée pleine de rigolade, eh bah tant mieux. Allez, let's go. Ici par contre on rigole pas. Hein. Ici on s'amuse pas, on rigole pas. Voilà. Donc désolé pour le petit changement d'ambiance quoi. Maintenant. Ouais, ici on n'est pas là pour rigoler. Je vois des rires là. Chut. Du Gartic Fun, un moment d'histoire.